Je viens de constater qu'il faut une perceuse pour installer le canapé. Oh bordel, je me casse le dos. Ben, on n'est pas couché, hein. On est sur une impasse là. Calmez-vous, dès le matin comme ça. La meuf se tape la honte sur sa propre vidéo, genre. Stylé. C'est facile. Tu peux te mettre dedans, chérie, si tu veux te cacher. Je veux me cacher. Elle est pas trop mignonne. Ouais. Bon les gars, on en est là. Si vous saviez les péripéties que c'était pour monter tout ça dans mon appart. Si vous me suivez sur Insta, vous connaissez déjà la story time, du coup je vais peut-être pas la répéter. Mais c'est votre signe d'aller me suivre sur Insta parce qu'il y a des trucs qui se passent tout le temps en fait. Je vous raconte vraiment en 2 secondes promis. Le mec qui m'a livré tous ses colis a décidé de tous les laisser dehors avec ma personne dehors sous 5 degrés. Et il m'a dit merci, merci, au revoir. Au revoir. Le mec n'a rien voulu savoir, il m'a dit non mais j'ai pas le droit, je peux pas, je dois y aller. D'accord. Donc là tu me laisses dans la rue avec 15 colis empilés les uns sur les autres et tu penses que mon petit poids de je sais même pas combien mais pas beaucoup, je vais monter tout ça toute seule. J'ai attendu 1h30 comme ça dehors, j'avais trop peur en plus qu'on parte avec les cartons, à tout moment on sait jamais tu vois. Un copain est venu m'aider, je l'aime. Mon cœur, vraiment. Et entre temps, je suis allée au Monop acheter des draps, un coussin. Parce qu'en fait, mes draps et mes coussins arrivent en même temps que mon matelas qui n'est toujours pas arrivé. Parce que on pourrait penser qu'il y a un matelas ici, mais non, toujours pas. Il y a un canapé. Donc en fait, là, c'est ça le deal actuellement, c'est que il faut que je déballe tout ça et que j'essaie de monter le canapé en espérant que ce soit pas trop compliqué. Bah ce soir, on va dormir sur le canapé. Donc je vous avoue que là je suis mais crevée, il est déjà 19h. Je rentre de Monop, franchement vous m'auriez vu avec mon étendoir dans une main, mon sac de course dans l'autre, mes coussins, mes draps, voilà. J'en peux plus. En plus là il faut que je trouve quel carton c'est, genre oh là là là. Je crois que là j'ai vu un canapé. Ouais. Attendez, faut qu'on s'organise là. Ça c'est quoi? Il y a écrit Pantin dessus, je comprends pas. Ah d'accord. En fait j'ai commandé un buffet aussi. C'est pour ça qu'il y a plein de pièces super lourdes. Et du coup ça, ça nous intéresse pas pour le moment, mais bon, il faudrait le bouger. C'est vraiment le seul moment de ma life où je regrette de ne pas avoir de mec. Soyons honnêtes, hein. Ça aussi on s'en fout. Ça... on s'en fout. Ça aussi, on s'en fout, mais c'est très lourd. Oh bordel, je vais me casser le dos. Ok, bon, normalement, là, on a notre canapé. C'est l'heure de le monter. Là, vraiment, je vais pouvoir dormir dessus, parce que alors, sinon, j'ai bien le seum. Il est trop beau, par contre. Je trouve, hein. Comment on va faire ça, là? Ah, j'ai chaud. Ben, on n'est pas couché, hein. Je vous le dis. Youpi! Oh wesh. Alors, ça c'est la partie du dessous techniquement. Je sais pas. Ah, oh, ça a l'air bien. Je mets où ça en fait? Et de 1! Je vais appeler ma grand-mère pour un soutien émotionnel en fait. Ah, bah quand même! Tu Allô m'entends ou pas? Allô? Allô? Oui, tu m'entends? Je peux plus, cette catch. Allô? Tu m'entends? Eh bien, je crois que je vais devoir me débrouiller toute seule. Ouais. Ma 4G, elle marche pas. Enfin bref, ça va bugger, je pense. Je suis en train de déballer mon canapé. Oui? Ouais. Bah là, il y a ça pour l'instant, mais il y a encore tous les cartons. Parce que sinon, t'as des gens qui montent les choses, hein, comme ça. Oui, mais je suis une femme forte. Bah voilà, non mais si t'es une femme forte, tu peux... Non, mais surtout qu'il faut que je dorme, quoi, à un moment donné. Allez, bon, on en est là. Je viens de constater qu'il faut une perceuse pour installer le canapé. Et en fait, je comprenais pas, il y a genre un coussin où ça fait du bruit quand tu le secoues, mais en fait, c'est qu'il y a les vis et tout dedans. Alors de 1, j'ai pas de perceuse. De 2, voilà, on est sur une impasse là. Comment on fait? Je mets 2 coussins l'un à côté de l'autre et j'essaie de faire un lit et on n'en parle plus. Ils osent écrire derrière, that's all folks. That's all, t'as vu la taille de ton truc pour monter un canapé en fait? Eh ben c'est tout pour moi. Cette vidéo prend donc fin. Hey. C'est
c'est pas du tout censé ressembler à ça. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Mais franchement, pour ce soir, ça ira. Je vais me faire un petit lit douillet. Ça va le faire. Je suis déjà contente d'avoir un truc confort sur lequel m'asseoir, m'allonger. Franchement, je suis plutôt fière de moi. Je me suis fait un petit lit douillet. Regardez, c'est pas beau ça? Oh. Ah, par contre, j'ai trop hâte qu'il soit vraiment monté parce qu'il est trop confortable, il est trop beau. Je suis trop contente. J'ai hâte de dormir. Ma première nuit dans l'appart, les gars. C'est fou. Calmez-vous, dès le matin comme ça. Je comprends pas. Morning. Vous avez vu que ça fait une heure que je suis en train de faire mon café. On y arrive petit à petit. Franchement, ça a rien à voir avec la machine que j'ai à Bali, donc c'est une manière totalement différente de faire du café. Du coup, j'essaye de comprendre, mais c'est pas facile. Là, dès le matin, j'aurais dû faire ça avant. Bref, j'ai managé tout faire un espresso et fraud le milk. Je parle franglais, je me fatigue. Je crois que j'aurais dû faire couler de l'eau pour le premier essai. Et j'ai un peu fait la meuf à faire couler du café directement. Donc à tout moment, mon café, il a le goût de neuf. Par contre, je suis trop fière. Mon lait, il a grave monté. Ça se dit pas, il a moussé quoi. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile de faire mousser du lait qu'avec mon machine. Bref. J'aurais presque pu faire un dessin. Regardez. Hihi, c'est un cœur mal fait. Taste test, le tout premier de la nouvelle machine à café. Je suis trop fière de moi. Il a pas le goût de neuf. Trop bon. Bon, je pense que par contre, il faut vraiment que je m'améliore sur le dosing et le taping. Tout le process du café qui ground et t'as capté avant de faire couler le café. Enfin, le process du café, en fait. Ah là, y a. Parce que là, j'ai fait un truc en 3 temps. Genre, j'ai commencé à extraire. J'ai pas les mots français, c'est cata. Le café, et il y avait littéralement ça dans mon... J'ai pas les mots. Bref, du coup, je l'ai fait en 6 fois. Il y a capacité d'amélioration. Je vais aller essayer de me réveiller là avec mon café. J'avoue, je l'avais dit que je buvais plus de café avant de manger le matin. Oups! On est le lendemain et regardez, toujours avec mes cartons, ça n'a pas changé. J'ai reçu encore plein de trucs, je crois que c'est mes chaises. Il y a quoi d'autre? J'ai oublié. Le miroir. Oh, le miroir. Il y a un miroir. Ah oui, il y a un tabouret, je crois. Enfin bref, il y a pas mal de choses à faire. Là, l'idée du coup, c'est de déballer tout ça. Et en fait, j'attends mes grands-parents. Parce que donc mes grands-parents sont arrivés ce matin à Paris et ils ont très gentiment proposé de m'aider. Donc j'ai évidemment accepté l'offre. Mon grand-père m'a dit, j'arrive avec ma tronçonneuse. J'ai dit, bah, c'est génial. Attends. Non. Ah oh, mais la fatigue, je peux plus. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Sa perceuse. Oh. La meuf se tape la honte sur sa propre vidéo, genre. Du coup, je vais en profiter pour accrocher les trucs qu'il faut accrocher, aussi fixer le canapé et déballer tout ça et essayer de ranger tous les cartons là parce que je suis en angoisse. Je rentre dans mon appart, c'est l'angoisse totale. Il y a des énormes cartons vides. Voilà. Du coup, c'est le thème de l'après-midi et le thème de la vidéo. Et j'ai hâte que ce soit un peu plus installé et tout. Bon, moi je vais m'occuper du miroir. Et celle-là, tu la mets où? Parce que celle-là, c'est pas la peine que je l'arrose. C'est ouais. Vrai, hein? Bah oui. Et comment tu t'en occupes? Oula. Ah, bon. Là, il est beau ce miroir, hein? Stylé. Attention, il y a des...
Lâche. Mais ça se pose au mur, non? Ça se... Ah, tu peux, oui. On met non. Je sais pas, moi j'aurais dit... Peut-être là. Alors... Putain, il est petit en fait. Ouais, voilà, faut mettre au mur, quoi. Et voilà, on est pas arrivé, quoi. Ah, déjà, si tu mets penché, tu le vois plus, tu vois ce que je veux dire. Bon, écoute, pour l'instant, il va rester là. Ok. Ah, elle est trop belle. Ah, elle est jolie, hein. Ah ouais, j'aime beaucoup. Regardez la table. Ah bah, tu vas pouvoir prendre des cafés. Coffee table, là, c'est marrant, coffee ça. Coffee table, hein. C'est bricoleur. Waouh, c'est beau. Magnifique. C'est génial. Ah, ah non, voilà. Ça fait pas si petit que ça en fait. Non, ça va. Non, c'est bien. La lampe sera là, donc on va pousser un peu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Donc on monte la lampe maintenant. Oh, mais ça pèse une tonne. Ah ouais? Une tonne alors. Hop, c'est quoi ça? Facile. Je sers bien, tu peux. C'est tout pour celle-là, mais c'est génial. Alors, ici, laisse couler tout doucement. Et 6 heures. Mais c'est des ouf. 6 minutes, oui. On la place? Hop. C'est bon? Ouais. C'était pas bon. je force comme une malade. En fait, c'était pas beau. Elle est pas belle, ma table. Magnifique. Trop belle. Ah oui, très jolie. Avec le canapé rose, c'est... Très, très joli. Un tapis, j'ai commandé un tapis, un énorme tapis blanc. Je vais voir ce qui se passe là-bas. On n'est pas sur le même niveau, là. On est d'accord, ils disent de la lignée. C'est ça, le petit dessin, non? Regardez qui est là. Maman. Bon, du coup, ils sont arrivés aujourd'hui. Et heureusement qu'ils sont là pour m'aider à dévaler. T'es contente? Oui. Ça se voit. Super. Bon, du coup, j'ai reçu une commande hier et j'ai pas eu le temps de déballer. Donc, c'est ce qu'on va faire ce soir. Il y a un miroir, il y a des lampes, il y a pas mal de trucs. C'est parti? C'est parti. Ah oui, là, c'est les vases et tout. On va avoir des vases, il faut avoir des endroits pour les poser. En fait, c'est vrai ça. Je veux pas. Oh, il est beau. Oui, il est joli. Regardez mon vase. Il est pas beau. Ah oui. C'est pour mamie. Et qui, best granny ever. Oh, c'est trop... les LED, encore des vases. Ah oui, j'avais pris plusieurs tailles pour faire un petit petite déco. Encore un vase. Ah, il est beau lui. Ouais. Ok, premier carton. Donne. Ça va, on te dérange pas toi là-bas. Allez, number two. C'est léger ça. Ah, c'est non. Alors, en oui, gros, t'as pris le grand format. Bah, il y avait ça. Hein. On voit les choses en grand. Hein. Oui, t'avais remarqué aussi. Oui. C'est genre un lustre comme ça, en lin, je crois. Ça va, mon dernier. Ah ouais. Et oh. Ah, je parle. Je trouve ça trop beau et du coup, je vais le mettre au-dessus de la table qui pour l'instant n'est pas là. Pas. Mais dans la salle à manger, je trouve ça très cute. Mais on peut l'installer, tu crois? C'est la cuisine, en effet, il n'y a pas de rangement. C'est une cuisine, c'est faite par un homme, ça. Ouais. Mais en plus, c'est vrai parce qu'elle a... Ah, c'est un crochet. C'est beau, donc, hein. Regardez. Déjà, il faudrait un petit escabeau. Parce que j'ai un escabeau. Ah, yes. Non, c'est pas mettre un truc. Voilà. Avec Guillaume, je suis en train de défaire. Il y a un escabeau fait. Non, mais ça serait quand même dommage, une cheville en moins. Pas mal ça. Là, il fait droit. Non, là par contre, il est penché. Droit là. Oui. Ah, ça marche pas. Ah, petit souci technique. Ok. Voilà, il fouille dans le jaune, jaune. Ancienne. Mais c'est sympa, j'aime bien. Et je suis en plein tournage. Vous avez pas eu trop froid, non? Mais bon, on est bien couvert. Et de deux, des paniers en paille. Mais ils sont très beaux, il est énorme par contre. Regardez mon corps à côté. Tu peux te mettre dedans, chérie, si tu veux te cacher. Si je veux me cacher. Non, c'est hyper pratique pour ranger et tout. Du coup, j'ai pris deux tailles différentes. Et t'as vu? C'est sympa, hein? C'est l'heure de déballer mon miroir. Je suis vraiment désolée pour le bordel, là, si je vous montre pas, parce que ça m'angoisse. Je trouve pas commander mon dressing, mais du coup, il y a tout dans mes valises. Ah oui, à l'ancienne. Mais oui. Du coup, c'est genre un miroir un peu vintage, parisien, tout ce qu'on aime, quoi. Il est beau, hein? Trop joli. Ouais, bah du coup, je vais le remplacer.
pense que tu veux. Elle aime pas notre miroir. Non. On va changer de miroir. Vraiment un bordel par contre, c'est trop. Ouais, bah. C'est beau, ça. Oui, c'est beau. Ouais, c'est beau. Ah, mais par contre, c'est bien, ça agrandit la pièce. Ouais, on le met au mur. Bah, en vrai, faudrait mettre au mur. Hein. On avisera. Ouais. Avec le reste, il faut pour attendre que tu tout. Pour l'instant, il va rester là. Je trouvais que c'était très lourd. Et ça a l'air d'être en marbre. C'est une étagère. Ah, c'est une étagère. C'est mon étagère. Ok, c'est mon tapis. Du coup, c'est le grand tapis marocain qui va dans le salon. Là, je viens de passer l'aspi et je vais en refoutre partout. Voilà. Allez, découpe-moi ça, une bonne fois pour. Hop, alors dernière ligne droite. Alors, je sais pas ce que t'as commandé, moi t'as pris quelle taille? Bah je t'ai écouté hein. Tu m'as dit c'est ça qu'il faut prendre, j'ai pris ça. Ah il est trop beau. Tiens, pas trop beau mon tapis. Voilà mon rêve. C'est ton rêve? Ouais, mais bon, pour faire venir à Saint-Bart, c'est pas facile. Pile poil, parfait. Papa, on a besoin de toi. Tapis. C'est bon, dis-moi. Et il est beau. Je souhaite. Ah, oui, on fait ça. Comment? Attends, oui, mais faut pas rester dessus. Ou en tout cas, faut avancer. Comment? Plus? Je pense que c'est beau. Là? Ouais. Je pense que là, c'est bien. Elle est pas trop mignonne. Yes. Ah, ça sent bon. Ouais, c'est pas mal là. Ouais. Attends, je vais faire des bêtises. Oulala, je touche à rien, je suis en mes tables. Oulala, je vais pouvoir te faire des films de la mort. Ah ouais. On va essayer le projecteur. Je suis partante, je vais faire mes meilleures soirées cinéma. On est en train de choisir une table. Parce que je n'ai toujours pas de table. Non, chêne foncé. Il faut rester sur du chêne foncé. Mais c'est noir presque, non? Bah, c'est du. Non, c'est comme c'est ça. C'est comme ça, t'es sûre? Bah oui, Lala. Je sais pas, ça m'a l'air très foncé. Bon, je suis en pleine commande de mon dressing IKEA. Du coup, j'ai tout fait sur mesure. Je vous montrerai évidemment où est-ce que je vais installer ça, dans quelle pièce, etc. Mais en gros, j'ai fait un dressing d'angle parce que, étant donné que je suis sous les toits, c'est un petit peu compliqué. Genre, je peux pas le mettre partout et tout parce que bah il y a le toit qui est assez bas et ça fait des, enfin, en gros, il y a des poutres partout. Bref. Donc, où on est pour le moment, sachez que ça va être le coin des habits de sport. Donc tout est pensé, réfléchi au moindre détail. C'est bon, finalisé. Coucou, je suis la quatrième membre de la famille. Alors, on met ça où? Du coup, on les met en quinconce? Attends, parce que par rapport à celle-là, faut que ça ait du sens. Peut-être, attends, parce que là, je réfléchis, il y aura un meuble. Imagine, il est un peu haut, faut peut-être se mettre celle-là plus haut et celle-là plus bas. D'accord. Ou je l'aligne avec elle. Oh, oui, tu peux. Et l'autre, on la met un peu plus bas, ok? On en pense quoi? Elle est partie. Non, je parle à ma caméra. Ah, pardon. Je parle à mes abonnés. Non, qu'est-ce que t'en penses, Guillaume? Il s'en fout lui. De toute façon, mets celle-là de gauche là, ouais. De droite je veux dire, et puis on fera l'autre après. Ok. Ça prend fort. Bon, du coup, je vous explique quand même. Là, l'idée c'est de rajouter des rangements dans la cuisine parce que c'est vrai que je vous avais expliqué, je galère de ouf, genre à ranger la vaisselle. Tout est empilé en haut et j'ai pas de place. Bref, du coup, là on va rajouter des étagères. Déjà, je vais pouvoir ranger genre café, des trucs jolis et tout. Là, normalement, je vais chercher un meuble avec des tiroirs pour vraiment ranger genre les couverts et tout parce que là j'ai vraiment rien pour ranger la vaisselle. Du coup mon papa est en train d'installer les étagères. Regardez, il y en a déjà une. Voilà. Bon les gars, ça fait une éternité que je vous ai pas parlé dans cette vidéo. Ça avance, doucement mais sûrement. Du coup je vais terminer la vidéo ici et je vais vous faire quand même un petit tour des avancées. Petite update quoi.
le salon, vous allez voir les cartons, ça fait partie de la déco. C'est un peu le concept. Il y a mon rétroprojecteur dedans. Bref, j'ai pas encore de meubles. Mais en gros, ça ressemble à ça. J'aime trop. Il est trop, trop cosy. J'ai ce petit pouf que j'adore, qui est genre bouclé comme ça, qui est trop, trop beau. Mon tapis, vraiment incroyable. J'ai pas les mots. Ma table en bois que j'aime trop aussi, organique. Ça, c'est les petites fleurs que m'ont ramené mes parents. Bah, le canapé, ça fait pas mal de temps que vous le voyez. Je l'adore. C'est un peu rose poudré qui tire vers le violet. Trop beau. Et ici, j'ai mis une lampe comme ça. Attendez. Franchement, je la trouve trop canon. Qui dit canon ? Bon, voilà un petit peu le salon. Et j'ai aussi mis ce panier dans lequel je mets le plaid très souvent. Mais pour l'instant, je ne lui ai pas trouvé une meilleure utilité. À suivre. Ce côté-là, c'est le côté où il ne faut pas regarder. Là, j'étais en train de tester des matières pour Sonaya. Là, il y a tous les cartons encore que j'ai pas forcément déballés. J'ai pas eu le temps de m'en occuper, etc. Bref, ça, je sais pas si vous vous rappelez, mais de base, ici, il y avait un meuble. Il n'y a plus de meuble. Je me rappelle même plus si je vous avais expliqué l'histoire du meuble. En gros, ils ont livré donc un meuble, jusque-là, on est d'accord, avec les mauvaises portes. Oui, oui. Sur le schéma, il y avait genre porte 10, 11, 12 et on avait 2, 10 et une 12, un truc comme ça. Donc ça n'allait pas du tout, enfin c'était pas les bonnes portes. Donc on a tout fait pour que ça passe. Mais au final, le meuble était pas très beau, enfin c'était pas censé rendre ce que ça rendait. Et au vu du prix, je les ai appelés, je leur ai dit, vous venez le récupérer en fait. C'est ce qui va se passer aujourd'hui, ils sont censés venir le récupérer cet après-midi. Donc il faut que je trouve un autre meuble pour aller ici. Je pense une commode qui fasse la longueur ou je sais pas encore, parce que là, enfin, ça manque de rangement, c'est une catastrophe, je mets tout par terre, c'est pour l'instant, on fait comme on peut. Ensuite, bon, l'entrée, c'est toujours le concept, c'est les cartons. Bon, ici, ça n'a pas trop changé, j'installe tout petit à petit, et du coup, on a des étagères, donc ça, c'est très très cool, c'est mon papa qui s'en est occupé, donc j'ai trop hâte, là, de décorer, etc. Ce sera dans le prochain épisode emménagement. Ensuite, préparez-vous à ce que vous allez voir là, je sais pas si vous êtes prêt. Attention. Tada ! Voici la déco de mon couloir. Des cartons et encore des cartons. Franchement, c'est cata. Faut vraiment que je prenne mon courage à deux mains et que je les descende. Mais en fait, c'est tellement gros que je peux pas tout faire d'un coup. Et c'est vraiment, c'est une galère. Habiter à Paris et se débarrasser de cartons, c'est une angoisse. Anyway, la chambre. Je suis en train de capter, je vous ai toujours pas montré mon lit. Ça fait genre deux semaines que je dors dedans. Waouh ! Donc, bienvenue dans ma chambre. Ouais. Ah, je suis trop contente en vrai d'avoir mon petit lit douillet là. J'ai mis des petits draps roses. À part le lit, il n'y a pas grand chose dans cette chambre et des cartons. Toujours des cartons. J'ai même pas fait mon lit là. Alaya. Donc voilà, c'est un lit en bois. Attendez, il ressemble à ça. C'est un petit peu style, tu peux mettre des petits livres et tout, faire une déco. Bon, je l'ai pas encore faite, hein, comme vous voyez. Je suis plutôt contente. C'était une grosse galère à monter par contre. Franchement, si c'était à refaire, je pense pas que je le referais. C'est tout pour la chambre. Et après, j'ai trop hâte, genre, de décorer là avec des petites affiches. Il faut que je me trouve une commode, genre une petite commode en vrai. Pas besoin d'un truc de fou. Et voilà, que j'installe un petit peu tout ça. Dans la salle de bain, en vrai, ça n'a pas vraiment changé, à part que j'ai acheté des gadgets. C'est un peu trop grave. Regardez, c'est pas trop cute. C'est pour mettre les cotons. Est-ce que c'était nécessaire? Pas du tout. Donc faut que j'installe tout ça. J'ai aussi acheté des trucs pour la douche. Enfin, vous voyez, c'est toujours dans les cartons. Je vous montre pas les deux dernières pièces parce que du coup, il y a mon dressing là qui commence à être installé. Enfin, je suis trop contente. Mais je garde la surprise pour la vidéo dressing. Voilà, je pense que je vais vous laisser ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était un peu le bordel. Enfin, en fait, j'ai filmé sur tellement de jours et puis t'attends les livraisons, ça arrive pas, tu dois renvoyer, tu... Voilà, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir sur ces épisodes, même si en soi, je vais juste filmer mon aménagement. Si vous avez des idées déco, surtout n'hésitez pas. J'adore lire genre vos idées déco, m'inspirer. Je trouve ça très sympa que vous participiez aussi. Et c'est tout! Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et rejoignez-moi sur Insta, je vous partage trop de trucs en story, en post et tout. Trop hâte que l'appart prenne forme et des prochains épisodes, j'espère que vous aussi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous !